Quand j'arrive sur ma Switch, là, je change, je vois le jeu. Je vais faire le jeu. Non, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible, terrible, terrible. J'ai plus rien, j'ai tout cassé, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, bref, 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 bref. Bon, voilà, on va avoir directement du Supra Gotigo. Avec son Fox qui fait les choses, son Fox explosif. Son Fox qui envoie. Effectivement. Attends. L'overlay en dessous. Je suis un peu lent, désolé. Deux petites secondes encore, je suis un peu concentré à faire là. Gotigo qui est donc sur Amphinovie. Je crois qu'il envoie le Fox en légende. Ok, Winner Semi encore une fois, et on est bon. Oui, let's go. Ok. Et donc. Deux persos qui, pour la possibilité de jouer vachement Grounded, surtout le. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que ça va se jouer extrêmement Grounded avec des Serial bien laine, bien space dans les deux cas. L'archétype est vite fait pareil. Enfin, pas l'archétype, mais la façon de jouer des deux persos, je trouve qu'elle se rapproche vachement. Donc, il y a moyen que Supra ait un léger avantage dans cette configuration de set. Et ouais, effectivement, l'avantage, on le voit directement avec cette basse en finalité là. Est-ce qu'on pouvait tuer? Je sais pas trop. Ok, le saut pour bien éviter le fer, encore une fois, le fer qui est bien évité. Et Yotigo qui a du mal à trouver le kill hein, sur ce Supra, sur ce Fox. Le Silver Spot qui tuera même pas un tout petit peu. Et le B2. Oh oui, oh bien vu ça, ouais, très très bien vu. Là par contre, le F-Site bien sous spot après ce Dragon qui est très très bien trouvé. Ok, Nair, Smash, la classique. Bien joué, t'as super bien joué. Et Supra qui veut continuer à mettre la pression sur cet Amphinobi, à mettre des backers safe on shield sur cet Amphinobi. Et le dernier qui était, on va pas se mentir, légèrement bourré. Ok, avec le fer, le dernier, le backer, bel exé. Ok, on saute pour ne pas se prendre ce deuxième backer. Faut surtout pas s'endormir dans cette situation-là contre Amphinobi parce qu'il peut vous mettre énormément de pourcents. Il peut même vous prendre la stock très très vite. Ok, le upper qui n'est pas trop à 0, ça on connaît bien évidemment. Parce qu'il ne touchera toujours pas, bien évidemment, encore une fois. Nest attaque, Nair, on connaît les confirmes classiques de Fox. Là, il se trouve pour gratter les pourcents, pour remettre en désordre. Ouais, ok, ah, dommage. Supra qui essaie de faire un truc de ouf, Supra qui essaie de salir un peu. Ok, avec ce backer, avec le beau spacing sur le Nair, ouais. Enfin, Gotigo qui a. Je pourrais pas vous dire si c'est Gotigo qui a du mal à trouver ses confirmes ou Supra qui est fort pour les éviter. Je pense, très honnêtement, un peu les deux. Mais là pour le coup ça a du mal à tuer hein, du côté de l'amphibie. Ok, on attend, on reste bien patient. Ouais. On voulait toucher le update backer du côté de Supra. Et les 80% d'avance 94% mais c'est allé tellement vite. Ah, ça monte tellement vite ces pourcents, c'est terrible. Ouais, dommage, on a raté le dash après le smash. Là Gotigo qui va devoir faire des miracles, alors qu'il va devoir gagner beaucoup de fois de neutral pour remonter les pourcents et devoir bien faire ses combos, et malheureusement le smash qui touchera directement. Directement. Ok, c'est bon, donc je vais pouvoir vous faire un autre sondage. Gagner ce set. 5 ans. Il y a déjà une game de partie, donc vous pouvez vous faire de la moula assez facilement. Ok.
On est pas mal. Et directement, ça repart dans ce. Ça re... le sondage est en ligne. Hein. Le sondage est là. Si vous voulez voter, si vous voulez mettre vos points de chaîne. Directement, ça repart. Oh, le Shen qui est très bien trouvé. Avec le Upgrade of Enemy qui est largement plus rapide que celui de Fox. Oui, c'est pas pris tous les hits de feu. Tous les hits de feu qui mettent qui est plus de 25%. C'est ça envoie. Ça envoie des dégâts. Ok, le bon fer de Sucroix pour bien couvrir son Tessa. Parce qu'en fait, oui, ouais. C'est ce que Gotigo va aller chercher. Encore une fois, faut aller chercher, faut y aller. Fox, c'est quoi, extrêmement exploitable. Et je pense que c'est un des aspects où t'as vraiment pas envie de le laisser faire du côté de Orphinobi. Surtout peut-être aller contre la récolte, aller contre le Up B. Bon, le Celebi, t'as pas grand chose à faire à part très bien Space. Mais malheureusement pour Gotigo, le Smash qui sera très bien trouvé, Smash Rue Nature. On ride le saut du côté de Sucroix. Sucroix qui s'excite un peu, qui envoie des upper en ride, qui envoie des plutôt grosses rides en fait. À bien réfléchir depuis tout à l'heure. Ok, ouais, le Smash qui touchera enfin et le Smash qui connecte, c'est miracle. Vous venez de voir un coup de Phoebe qui connecte, incroyable. Et on repart à quasi even pourcent, even stock. Oh, des petites dashes, ok. Le petit qui ne touchera pas parce qu'il était sur la plate, s'il n'avait pas de tech sur cette plate. Avec ce nerf, cette dash attack qui est ratée, on a essayé d'envoyer encore une fois dash attack nerf. Je crois qu'il est un peu. Un léger. Oh non, mais ça touche de derrière, vraiment ça? Quel enfer! Terrible. Je crois qu'il est peut-être un petit peu moins précis sur ses confirmes. Est-ce qu'il va me faire mentir? Ok, non, on va cliquer le laser. Ok, j'ai menti. Non, voilà, pardon. Pardon, je comprends rien au jeu. J'ai jamais rien compris. Ah, par contre, ça s'envoie des big smash. Ça, je reconnais, c'est des dash attack missile put. Ok, le fer qui est trouvé. L'estrap de Supra. Ouais. Qui n'est peut-être pas aussi conséquent que ça, ce qu'on pourrait s'attendre. Ok, tilt en get off me option, ouais. Belle throw. Le shuriken qui est respect, bien évidemment. Oh, par contre, bien vu ça. Le Smash juste avant que Fox grab le ledge, celui-là fallait le trouver, celui-là fallait le faire. La stock ou peut-être la game en débandait, mais en tout cas la stock très clairement. Ok, le PA frame trap avec le back air qui est très très bien trouvé. Et là on a beaucoup de mal hein, du côté de Tigo. Et ce qu'il y a en fait c'est qu'il arrive pas forcément. Ouais. Ouais, et en plus il se fait frame trap, il se fait avoir de tous les côtés, c'est terrible. Mais le problème, c'est que déjà, Gotigo n'arrive pas forcément à bien gagner neutral. Et de deux, il n'arrive pas forcément non plus à trouver vraiment ses confirmes. En même temps, Fox c'est tout petit, Fox c'est fast follower, Fox faut y aller, hein, faut aller dessus pour le toucher. Contre un perso comme Ophelui qui doit être si précis pour toucher ses confirmes. Compliqué. Compliqué, compliqué. Déjà 2-0 pour ce point. Et on repart sur le Fox, on repart sur les persos qui cavent, sur les persos qui veulent se battre. Ok. Et 2-0, bah, peut-être balle de match pour ce pro, peut-être balle de 7 pour ce pro. On va sur SBF, ok, pourquoi pas. Là pour ça, où ça se tape, hein. Ça se tape. Autant elle est. Ouais. Autant il y a légèrement l'espace pour faire ces trucs du côté d'Orphinobi. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure. En gros, il y avait un bête et je pouvais pas le finir. Mais maintenant, c'est bon, normalement. Oui, mec, je sais pas comment j'ai fait ça. Bien vu, bien vu. Let's go. Et le temps que Aqua régisse la régie. On a déjà une légère avance du côté de Supra avec ouais, ce Smash en ride de drift fully in qui a tenté d'être touché. Ouais. Oh, ouais. Ok, c'est toujours pas fini. Ouais. Beau reflex, très très beau reflex. Heureusement, Gotigo s'y attendait, du coup, il s'est pas fait happer par ce Shuriken. Ah, dommage. Il avait la ride sur la glissade de plateforme, ouais. Putain, mais il a tant de réactions de ce mec, c'est terrible. Non, mais. Non, carrément, ça taunte. Non, mais. Regardez ce que font les drogues dures à un homme. Tant de réactions, plus taunte, c'est terrible. Il entend les couleurs et il voit les goûts. Hein. Là, je suis froid, il est dans un truc, mon pote.
Et tous les hits du backer connecteront bien. Ouais, on essaye, on essaye, on essaye. Ok, belle tech, belle tech, belle tech. Et on essaye du côté de Gotigo d'aller cheese Supra au siège. On a vraiment du mal. Ok, Shuriken 1, le upper. Dommage qu'il ne touchera pas. On... Oh non, wesh, 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 wesh. C'était quoi ce service de Golemon là? Ouais. Spot de jeu qui sera bien catch par le backer. T'as pas envie de retrouver dans ce mur de backer de Fox. Et malheureusement, il se retrouve un peu trop dans ce cas, un peu trop dans cette situation. Il est de retour. J'ai un de cook, c'est le chiffre, c'est faux, j'ai perdu 3-0. Loulou qui est maintenant de retour comme un avion commercial détourné pour faire petit vautour. Et c'est prend encore une fois qui garde son avance, c'est encore une fois qui fait les choses. Ouais. Je crois qu'il doit être content parce que là, il retourne sur ses petites habitudes de vitesse du jeu mêlé, tu vois. Et vraiment. Là, il est dans son élément, là. Mais surtout, niveau temps de réaction, c'est stupide, genre, il réagit à tout. Genre, tout à l'heure, il a fait jablock, il doit réagir à l'option après, il doit faire un truc, c'est horrible. Dinguerie. Ok, upper, il doit upper, non. C'était tout, c'est pas trop, mais qu'est-ce qu'il fait? Okay, ouais, il tente des petites choses, c'est la fête. Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Oh, le compte qui aurait pu. Qui aurait dû toucher même. Ah! Comme ça ralentit en l'air. Ça change là-dessus, bon là. C'est... Let's confirm into the game, c'est les choses qu'on veut, c'est les choses qu'on fait. Les vraies choses. Tu vas en finance. Il a. Oui, il est. Putain, il a. Je vais pas mentir dans sa vie, mais. Là, c'est chaud. Bah, lancez-moi des petits coups comme ça, je vais prendre une bonne. Tu vois ce que ça fait? Bah, au pire, pas sur la chaîne.